bienvenue à tous pour une nouvelle soirée de football, une soirée humide comme vous pouvez le constater sur nos images. La pluie qui semble s'être enfin un peu calmée, mais les joueurs ne devraient pas toutefois y échapper en cours de rencontre. On voit d'ailleurs que les tribunes mettent un peu plus de temps que d'habitude à se garnir. Tout devrait rentrer dans l'ordre sous peu. En même temps, la pluie des fois a des avantages, ça accélère les frappes de balle et ça peut rajouter un peu de spectacle à cette rencontre. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Bon, maintenant qu'ils ont fini leur blabla, donc salut à tous, c'est Tonio et on continue donc notre championnat en Ligue 2. Donc là, on joue face à Brest. Ça commence bien, j'espère que vous allez bien. Donc première occasion, premier tir, premier but, 100% de réussite pour le moment. Moi ça va très très bien, très content de vous retrouver donc pour un nouveau match où on essaye encore de faire progresser cette équipe olympienne avec de jeunes joueurs prometteurs, même des joueurs d'expérience intéressants pour le moment que je ne garderai pas à l'avenir pour le club, forcément. Alors j'ai mis mon joueur préféré, Arcas, mais c'est pas vraiment lui mon joueur préféré. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la c'est Wea, mais Wea il est entré, c'est pas sûr que j'arrive à le garder pour la saison prochaine, donc j'ai mis Arcas parce que bon c'est quand même un excellent joueur. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retrouver. L'Olympique de Marseille qui peut avancer. Allez. Oh, qu'il va vite sur ce côté. Ça, c'est un bon ballon dans la surface. C'est dégagé. Ayas maintenant. L'Olympique de Marseille qui s'est montré très prolifique lors de sa dernière sortie. Grosse efficacité offensive. Oula, qu'est-ce qu'il fait ? Sauvé par cette maladresse. Ah, il va s'en vouloir. Il y avait un bon coup à jouer. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Alors, il pleut. J'ai pas eu. Oh, il a glissé mon joueur là-bas. Je sais pas si vous avez vu. J'ai pas eu l'occasion de jouer souvent sous la pluie. Ah, c'est pas bon ça. Alors, est-ce qu'on va leur mettre un 7-0 encore ? Je vous pose la question. Il tente de la jouer dans l'espace. Il peut centrer. C'est dégagé loin devant. Ça joue long vers l'avant. Ça peut partir en contre. Un peu de maladresse peut-être dans cette période. Alors, j'ai fait. Enfin, j'ai pris un nouveau goal, un jeune goal. Prometteur, c'est sûr. Et un défenseur également. Alors, eux ils jouent avec le feu et ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien. L'Olympique de Marseille qui réalise un très bon début de match. C'est quand même un début de match. Ah, j'ai vraiment pas de chance parce que je l'ai vu partir là-bas. Allez, j'aime bien jouer sur ce côté. Choisit le côté gauche. Il glisse le ballon en profondeur. Il est tout seul. Le bon dribble. Et le ballon a franchi la ligne. Le crochet qui n'est pas passé. Il passera plus tard. La passe qui n'aboutit pas. Gros dégagement. Mais non, c'était pas à lui qu'il fallait la donner là, mais bon, c'est pas grave. Pour trouver la faille dans la défense, on s'est bien joué. Va-t-il en profiter ? Il est passé. Oh, c'était dangereux, quel geste ! Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. Bon, on va se calmer parce que j'ai qu'un but d'écart, donc bon,
Si j'en prends un, après ils vont s'exciter du cigare. C'est joué long, attention. Il s'en sort. Il relance côté droit. Mais il faudrait que je prenne aussi un milieu droit, parce que Vrani là-bas, l'Olympique de Marseille, c'est pas un vrai milieu droit de métier. Je l'ai vu là-bas sur le côté. Il est bien placé. Vrani, justement. C'est parti. Ça ne passe pas. Ah, celle-là, si elle rentre, elle me met un petit peu à l'abri. Parce qu'en défense, dans ce jeu, c'est compliqué. Enfin, moi, je trouve que c'est compliqué pour défendre. Après, je sais pas, ça dépend de la vie de chacun. Premier corner dans cette rencontre. Pourquoi c'est lui qui tire? Mais non, mais non. Ah, j'ai oublié de faire le... Ouais, ben ouais. Bien joué, Tiens, on va mettre lui. Quelle détente! L'Olympique de Marseille qui peut avancer. Allez. Il allonge vers l'avant, ça passera sur le côté. Il a touché. Allez, on va retenter. C'est bien donné. Il glisse le point d'inspiration. Ah. Le cadre se dérange largement. Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix. Alors, d'après Darren, tu relupettes. Il a déjà marqué Vrani. J'ai pas le souvenir qu'il ait marqué un but. Dans une autre vie, peut-être. Alors. Carte, c'est bien fait. Il a jailli de prendre ce ballon. Le jeu repart vers la droite. Et bon centre. La tête. Ah, celle-là, elle partait bien. Mais il était trop loin pour. Mon joueur était trop loin pour marquer. Mais s'il aurait été plus proche, je pense que ça n'aurait pas été pareil. Pour filer droit au but. Belle passe lobée. Oh, ouf, un peu d'air. Quel joueur, quel joueur. Et vas-y, il est constipé. Heureusement que derrière il y a le défenseur qui suit. Ce sera une remise en jeu. En retrait pour repartir proprement. Je vous avoue que le goal il m'a fait un petit peu peur là sur le coup. L'Olympique de Marseille qui cherche l'étincelle. Il est servi. La tentative. Et le truc. Oh, il va s'en vouloir, c'était une grosse occasion. Ça commence à faire beaucoup d'occasions loupées. Donc il faudrait que j'essaye de récupérer un autre défenseur. Qu'est-ce qu'il fait lui? Donc, 6 mètres à suivre. Ok, merci monsieur. Alors moi je prends, continue à faire des passes pourries. L'Olympique de Marseille. J'ai l'impression qu'en fait la pluie gêne beaucoup l'adversaire aussi également.
Hazard. Je voudrais voir un truc là sur le ralenti. Mon joueur, il s'est pas fait un peu tacler là. Ben oui. Et bien sûr, s'appliquer l'importance des coups de pied arrêtés. Alors, on va essayer de faire un beau corner là, comme tout à l'heure. Ça ne passe pas. Il y a danger. Là, il peut centrer. Il va provoquer. C'est centré dans l'axe. C'est dégagé. Oh, la frappe! Il aurait fallu qu'il y ait un défenseur qui la touche, en fait, là. C'est pas fou. La première période, certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé. Pourquoi ? Alors, cette première période, vous en retenez quoi ? C'est presque dommage de mener seulement 1-0 quand on a eu autant d'occasions. C'est clair. Alors, par contre, je vais régler un truc là au niveau des tireurs. Alors, le capitaine. 1-0, on espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. Frein long. Francourt, on va mettre lui. Si tu veux. Corner gauche, on va mettre Doppel Vrani. Corner droit, on va mettre. Bon, on va mettre lui. Penalty, on va mettre Arcas. Ou Arca, je sais pas comment on le dit en fait. Et joueur qui joint l'attaque, lui. Voilà, au moins ça c'est fait. Et bah, je serai pas embêté pour la deuxième mi-temps. En espérant mettre un deuxième au moins au fond. Coup d'envoi de la seconde période. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. La passe dans la profondeur. Ouh. Oh le cul. Non là j'ai dit que c'est bon. Bonne lecture de la trajectoire. Ça joue à gauche. Si on joue sur l'aile, il est servi. C'est envoyé dans l'axe. Il met la tête. Voilà. Mais non. Et tu n'as pas le droit. Quelle boulette et des conséquences sont terribles. Charbonnier a bien profité de cette erreur. Qu'il savoure, parce que cela n'arrivera pas tous les jours à la vie. Charbonnier qui inscrira son premier but de la saison. Alors, ça promet une fin de match palpitante. Oh, mais quel chien! Charbonnier est allé au charbon. Et voilà. Mais ça, c'est d'avoir trop d'occasions et de ne pas les mettre au fond, bah, forcément. Bah, y'a faute là. Y'a faute, je lui ai un peu enlevé le pied d'appui, je crois. Il a fait de la capoeira. Là. Allez hop, tu bouges. Charbonneur. Allez hop, tu dégages. Mais il se gêne, putain. Qu'est-ce qu'il fait ? Possession un peu stérile. Ça va sur l'aile. Pour trouver la faille dans la défense. La tentative. Oh. Ça va pousser. Il y a un contact qui n'était pas. Il n'y a rien du tout. Non, là, il n'y a rien du tout. Il est fou, lui. Il passe en
enfoiré d'arbitre et il siffle que dalle. Le long dégagement du gardien. Charbonnier. Charbonnier. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Il joue en profondeur. Il est lancé sur la... Mais vas-y, ouais, vas-y. Il fait un appel et qui va pas. Chercher à récupérer le ballon. Vous avez raison. J'ai même l'impression qu'il se méfie énormément. Oh, Vrani. Oh, il la met pas. L'Olympique de Marseille qui récupère ce ballon. C'est joué long, attention. Allez, c'est une occasion, ça. Wow, il a mis un shoot. Il en profite. Je sais pas si un défenseur la touche, là, le défenseur qu'il y avait devant. Mais il a envoyé un shoot. Mais ça veut pas rentrer, hein. Bon, entre le goal aussi, là, en face, qui fait, fait le taf, là. Et peut-être un coup à jouer. Ça passera sur le côté. Il reçoit le ballon. La passe est précise. Centre. Non, mais... Eh, mais... C'est... Non, non, là, je refuse. Quel but de merde. Voilà qui corse un peu plus le truc. Oh, le but gaz de merde. Là, on a Cristiano Ronaldo avec le numéro 10, Stade Brestois. Le mec, il a fait un petit pont au calme des joueurs en face. Ah, mais je fais de la merde aussi, là. Bon, allez, on va essayer de reprendre les choses à main, si je peux dire ça comme ça. C'était pas à lui que je voulais la donner. C'était pas à lui non plus. À part ça, tout va bien. Ah là là, quel match bizarre. Il perd pas la balle, hein. Il perd pas la balle non plus. Il décide d'allonger le jeu. Mais c'est... Mais non, ça fait trois fois. C'est pas à lui que je voulais la donner, sérieux. Ah là, je suis en train de rager parce que c'est pas bon, là. 71ème, je vais faire des changements en espérant que ça change quelque chose. Bon, en tout cas, pas les changements, je vais pas les faire là parce que là il y a un coup froid dangereux. Bon. Pardon, mais il y a pénalty. Non, la casette n'est pas dans mon équipe, mais il y a pénalty. Allez hop. Non, non, je refuse. Oh, l'enfoiré. Mais c'est qui ce gars là? Même oh, le bordel. Moi je tire, moi, hein.
ils sont tous regroupés en défense, ces enfoirés. Ouais. Ça va sur l'aile. Le ballon devant la cage. Il a préféré jouer la sécurité. Et ça passe toujours pas. Il s'impose physiquement dans ce duel. Ça manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Sur cette intervention, ils jouent dans l'espace. C'est reparti, ils peuvent contrer. Oh ils non, ils viennent glisser. C'est bien fait ça. Oh, mais sérieusement. Le centre est tendu. Le bon gélissement. Ah, ils cherchent à tuer la match. Oh, ça sent le. Ça sent le chaos, minutes, ouais. Tranquille. Bon. Alors, je vais faire des changements. Mais là, ça me plaît pas du tout. Là. Il est bizarre ce match. C'est surtout toi qui est bizarre à côté de la merde. Alors lui, il est mort. Pas de solution, les mecs ils montent pas, pourquoi je ne comprends pas. Bon ben ça va être la première défaite je pense parce que là ouais les mecs ils suivent pas, je fais une passe les mecs ils comprennent pas, ils font des passes autre part. Il y a voilà encore une fois. Les mecs, le temps qu'ils font la passe, ben, l'autre il a le temps de mettre le pied. Oh la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. C'est bien donné. La passe est précise. Voilà. Allez, on y arrive petit à petit, mais bon, je crois que c'est mort. Osé. Si j'arrive à faire un match nul, c'est miraculeux. La première défaite de la saison. Attention, je suis pas content. Il va falloir réagir à tous les niveaux du club après cette défaite absolument logique aujourd'hui. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Beaucoup de spectacles, beaucoup de jeux, beaucoup d'intensité. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous commenter ce match. Ah bah oui, forcément, j'ai perdu, espèce de sale blond. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. Bonsoir. Merci Grégoire, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Après un nombre d'occasions, mais putain, quoi, j'en reviens pas. Bon, c'est pas grave. Je prends. J'ai la possession. Enfin, bon, après, à la fin du match, j'ai fait n'importe quoi, parce que bon, forcément... J'ai fait n'importe quoi, et les joueurs ont fait n'importe quoi. Les passes que je faisais... Elle n'allait pas où je veux. Les joueurs ne suivaient plus. Donc, oh, je sais pas. Pourtant, j'avais la flèche du moral en attaque de la plupart de mes joueurs. Elle était verte ou verte foncée. Ça veut dire que c'était parfait, en fait. Mais, voilà. Bref. Bon, j'espère que ce match vous aura plu. Plus qu'à moi, forcément. Hein, parce que moi, là, je suis pas content. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde.